À CGLR Québec, nous avons maintenant le plaisir de vous présenter Jolorama, succès de 1660. California girls like that kind of girl. Beach boys, good. Beach Boys, directement de la mine d'or, un autre en solide avec les Beach Boys. California Girls. Nice Girls, California Girls. Les Belphonics, c'est généralement numéro 28 américain cette semaine, un futur succès numéro 1 pour les Belphonics. Ready on a direct. Vous allez en vacances aux États-Unis au cours de l'été et que vous avez l'occasion de voir dans un club à l'affiche les Delphonics, ne manquez pas ce spectacle. Et vous m'en reparlerez lorsque vous serez de retour. Parce que les Delphonics, moi je le dis, le groupe, sûrement dans les trois premiers groupes dans le monde entier, au point de vue qu'ils sont très spectaculaires et en plus à leur spectacle, leur chorégraphie est parfaite. J'ai quelque chose à voir dans ce spectacle des Delphonics. 10h45. My Idaho, OK. Idaho, les Four Seasons. Nouveauté des gens 31e du côté américain cette semaine, OK. Directement de l'autre leader avec les Marcells. Blue Moon. Numéro 5 américain, on était de retour à Jolorama avec Time is Tight. Il est 2h03, et 25 secondes maintenant. Il n'y a plus de musique plus seulement pour vous jusqu'à 5h cet après-midi. On vous présente les bons hits. Super hits. Nothing can catch her, nothing can touch my Beach Boys, c'était le début des Beach Boys. Brian Wilson, le leader du groupe, et Mike Love également, qui fait beaucoup de lignes pour le groupe, avait composé Siphon's Ferry. Et l'autre face du disque 409 que nous venons d'entendre ensemble était une composition de Brian Wilson et de Husher également pour le Sea of Tunes qui fait la production pour les Beach Boys. Brian Wilson s'occupe localement. Il est 10 ans. Pour Dancing, on vous revient maintenant vers 11h05 avec en réserve pour vous The Circle. Écoutez la radio de Québec, CJLR. Nous allons...